Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, nous allons parler des démons, serpents, dragons. Vous savez qu'il existe plusieurs formes et espèces de démons dans le monde occulte. Ici, nous allons parler de cette espèce spécialement. Pourquoi? Parce que c'est une espèce, ça fait partie des espèces qui troublent beaucoup de personnes dans le monde actuellement, en fonction même. Tout dépend de ce que vous faites, que vous soyez dans la religion ou pas, dans la spiritualité ou pas, dans la politique, peu importe, dans tout ce que vous faites dans votre quotidien, vous êtes concerné par les démons, serpents, dragons. Pour cela, on va prendre deux rouleaux pour entrer plus en profondeur. Nous allons prendre ici Kalata, Jokwa Myangoma Midima Bobil, qui veut dire en gros étude interdite de la science du démon, la démonologie. C'est le livre qui perturbe le monde occulte, qui dérange Satan, qui dérange les démons, les anges déchus, communément appelés dans les vrais noms, les Bamololoma, Bungulané. Et aussi, tous ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishops, maréchaux, diacres, prophétesses, inspirés, les pseudo-youtubeurs, ces rouleaux les perturbent énormément. Et ensuite, on va aller dans Bibel, Kalata, Balai, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent la commande, d'autres aussi posent la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver ce livre formidable qui surpasse tout ce qui existe dans votre réalité. C'est dans les éditions Zlola100.com. Pour cela, on va commencer dans la démonologie. La démonologie, chapitre 1, versets 78 à 86. Il est dit ici, parmi les démons reptiliens, donc autrefois du sol, donc il faut préciser, c'est très important. Donc, parmi les démons reptiliens autrefois du sol, ceux qui viennent en tête sont les démons serpents, dragons. Premièrement, dans la démonologie, chapitre 1, verset 78, on vous apprend qu'il existe plusieurs espèces et races de démons, de différentes branches d'intellection, de puissance. Mais on va s'arrêter, comme j'ai dit, sur la branche de démons, serpents, dragons. C'est pour ça que dans le verset 78, parmi les démons reptiliens autrefois du sol, ceux qui viennent en tête sont les serpents, sont des démons, serpents, dragons. Ils ont une puissance extrêmement effroyable. Ça veut dire quoi ce verset? Quand on entre dans les profondeurs pour révéler ici le mécanisme vibratoire de cette espèce de démons, vous comprenez qu'il y a les démons marins. Donc, les monstres marins, ce sont les démons les plus puissants on va dire dans le panthéon, dans la hiérarchie démoniaque occulte par rapport aux démons. Mais il y a néanmoins le droit d'aînesse, ainsi de suite. Et ensuite il y a aussi les démons des airs, donc communément appelés on va dire les sirènes des airs. Il y a aussi les démons des ailes, les démons hybrides. Et ensuite vient le démon du sol, en gros, le démon reptilien, les démons reptiliens du sol, et non de l'air, et non de l'océan, c'est-à-dire de l'eau. C'est pour ça que dans cette catégorie des démons reptiliens du sol, ceux qui viennent en tête, ce sont les démons serpents, dragons. Et on vous apprend qu'ils ont une puissance extrêmement effroyable. Et ensuite, les démons serpents, dragons sont experts dans la possession spirituelle. Donc, cette espèce-là sont des véritables experts dans la possession spirituelle. On ne vous dit même pas ici la possession démoniaque directement, vu que ce sont des démons, ou la possession intellectuelle, mentale, morale ou physique, mais premièrement, c'est des experts dans la possession spirituel. Il en est de même pour les démons dragons. Donc, les démons serpents dragons travaillent souvent, sont en union quand ils vont pour pouvoir posséder spirituellement des personnes, pour pouvoir extirper leur essence, c'est-à-dire, on va dire, leur énergie vitale ici. Les démons serpents dragons, comme je vous l'ai dit, ils sont accoutumés à travailler avec les serpents, avec les démons dragons. Et certains maintenant me poseront la question de savoir quelle est la différence entre le démon, entre les démons, la race ou bien l'espèce de démons serpents dragons et les démons dragons.
Ils ont un lien, parce qu'au départ, c'est toujours des dragons. Donc, les Ngungwangando, parce que Ngungwangando, c'est comme ça qu'on dit le dragon dans la langue originelle. Et le crocodile, c'est Ngando. La différence maintenant, c'est par rapport à ceux qui viennent en premier et aussi du lieu où ils ont été engendrés avant de perdre les corps physiques, leur avatar. Mais néanmoins, les démons, ce n'est pas un dragon. Comme vous dites ici, non seulement ils sont experts dans l'art de la possession spirituelle, et on vous apprend qu'il en est de même pour les démons dragons. Ils sont extrêmement et particulièrement expérimentés à l'ouverture mystique et à ouvrir mystiquement les portes d'entrée qui mènent à l'esprit de l'âme ou animal. Ceci enfin de le soumettre spirituellement. Dans les buts ici, et vous comprenez que ces démons dragons, non seulement ils ont la capacité, la puissance, la faculté de posséder spirituellement des personnes dans le but de les soumettre spirituellement, afin que l'âme ne puisse plus revenir à la source. Dans toutes les religions qui sont dans le monde actuellement, toute forme de spiritualité que les hommes vont s'auto-proclamer, avoir reçu des révélations, parler aux ancêtres, aux divinités, aux esprits, sont constamment, quotidiennement attaqués par les démons, serpents, dragons. Et ces démons, serpents, dragons sont aussi, font partie de la race des démons religieux de haut rang. Et les démons religieux, c'est ceux-là, comme on va dire, qui inspirent tout dogme, toute doctrine, toute religion des hommes qui ne sont point issus de la vérité, de la source originelle. Et ces mêmes démons vont posséder intellectuellement, mentalement, moralement, spirituellement aussi, ce qu'on va appeler les scientifiques, les politiciens, ainsi de suite. Et là-bas, on va les nommer les démons scientifiques, ceux-là qui vont posséder les scientifiques, ainsi de suite, dans le but de pouvoir inventer des armes destructif pour pouvoir anéantir des civilisations, parce que ce sont les démons scientifiques qui, aussi connus sous le nom de démons religieux, qui possèdent ces gens, et ils vont aussi posséder les politiciens, posséder le Sénat, ainsi de suite, afin de voter des lois contre nature, des lois qui vont premièrement contre le peuple noir, dans le but d'empêcher la manifestation du nombre connu. Sans cela, où je vous exhorte beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore la démonologie, étude interdite de la science du démon, parce qu'on vous révèle ici comment l'organisation de Satan est composée, comment les démons agissent, comment les démons étaient avant d'être maintenant des esprits simples. Parce qu'avant, les démons avaient des corps, ils avaient des corps physiques. On vous révèle tout ça aussi dans Bible, Kalatambal. Dans ceci, dans le verset 80, on vous apprend que les démons dragons sont extrêmement liés aux démons reptiliens. Parce qu'il existe plusieurs espèces de démons reptiliens. Les démons serpents dragons et démons dragons ont, dans le passé, exercé leurs autorités dans différentes époques et civilisations anciennes, mais continuent encore jusqu'à nos jours. Et on voit encore l'empreinte occulte, le toucher du démon dragon et le démon serpent dragon de nos jours. Parce que, comme j'ai dit ici dans le Kalata, on va dire la démonologie, que ces démons, dans le temps d'autrefois, ont exercé leur autorité dans différentes tribus, empires, royaumes et dynasties. Et jusqu'à présent, on voit les symboles de ces démons, et beaucoup de personnes sont accoutumées à voir les symboles des démons, dragons, serpents, dragons, et aussi des démons dragons, et d'autres vont même faire des tatouages des serpents, dragons, des dragons sur leur corps, hein, sans savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de représenter, qu'est-ce que ça signifie réellement.
le symbole même caché du tatouage. Dans verset 80, on vous dit ici que les démons dragons sont fréquemment liés aux démons reptiliens. Quoique les dragons, c'est toujours une forme de reptile. Mais comme c'est écrit de cette façon, pour vous montrer qu'il existe plusieurs espèces de reptiles et aussi catégories de dragons. Les démons serpents dragons et démons dragons ont, dans le passé, exercé, on va dire ici, leur autorité dans différentes époques. Oui, vous pouvez vérifier dans l'histoire et comment ils vont exercer cela mystiquement pour pouvoir posséder des personnes, aller en guerre et violer des femmes, incendier des maisons, prendre des royaumes, des empires, bref, effacer complètement l'histoire de plusieurs peuples parce que ces mêmes serpents dragons, démons dragons, ce sont aussi les démons religieux. Et ce sont les démons religieux, comme je vous explique, qui inspiraient beaucoup de blancs au Moyen-Âge pour pouvoir écrire des torchons qu'on va appeler les Bibles actuelles classiques, c'est-à-dire les Bibles, donc, mais avant c'était, on va dire, les manuscrits, ainsi de suite. Mais c'est ceux-là même qui vont inspirer toutes les religions qui sont là actuellement. Quelle que ce soit la religion, peu importe le dogme ou la doctrine de ces religions que vous voyez, que vous côtoyez actuellement dans le plan actuel, ce sont les démons religieux de haut rang qui inspirent ces doctrines-là. Et on vous dit ici, des démons dragons ont, dans le passé, exercé leurs autorités dans différentes époques et civilisations anciennes. Vous pouvez aller vous documenter, vérifier, vous tapez même sur Google, vous allez essayer d'aller dans ce qu'on va appeler la bibliothèque, médiathèque, ainsi de suite. Vous voyez un peu les civilisations anciennes, les croisades, ceux qui ont fait des guerres, des différents royaumes, avec les emblèmes, les effigies qui représentaient, que ce soit les gouvernements, le pays, ainsi de suite. Et les drapeaux, d'autres on va dessiner des dragons, d'autres c'est les serpents dragons. En fait, c'était les démons qui inspiraient ces peuples-là, qui inspiraient ces loyautés, qui inspiraient même les rois, parce que beaucoup de rois, dans les temps d'autrefois, avaient, on va dire comme ça, des faux rois, hein, parce que pour être roi, il faut qu'un véritable torpéda mundi, ce qu'on appelle des prophètes, puisse t'introniser. Il doit t'introniser en tant que roi. On doit te faire passer par un rituel d'abord spirituel, afin de te présenter au trône vivant, c'est-à-dire une autre espèce d'entité du grand ordre des choses, afin qu'on puisse te couronner et tu deviennes roi. Mais les rois de l'Europe, les rois que vous avez peut-être côtoyés, ça, ce sont des faux rois qui n'ont reçu aucune initiation, aucune intronisation par un véritable prophète, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Topeda Mundi. Dans les civilisations anciennes, vous allez voir qu'il y avait des emblèmes, il y avait même sur les drapeaux, ou bien des statuettes qui vont représenter la République ou tout simplement le pays. Ils vont représenter des dragons, ils vont représenter des dragons serpents, comme on va voir la Chine. La Chine, c'est l'emblème de la Chine, c'était, on va dire, l'emblème même que beaucoup de Chinois vont fêter quand ils vont on va dire, le nouvel an chinois. Ils vont représenter un dragon serpent. En fait, c'est un démon serpent dragon. C'est pour ça que vous voyez la Chine actuellement est en train d'avancer. Bon, fait croire qu'ils ne veulent pas imposer leur doctrine aux gens, mais ils vont venir sournoisement avec le travail, ainsi de suite, pour pouvoir et prendre le pouvoir par derrière. Donc, ces démons serpents dragons et démons dragons, comme j'ai dit, dans le temps, dans le passé, ont exercé leurs autorités dans différentes époques et civilisations anciennes, mais continuent jusqu'à nos jours. Et la preuve, vous allez vérifier, vous pouvez vérifier, quand vous tapez peut-être, on va dire, Pays de Galles, le Pays de Galles, vous tapez Pays de Galles, ils ont un emblème. Il y a l'emblème là-bas là, qui va représenter un démon dragon. Et ce démon dragon s'appelle, en gros, voilà comment ils vont le nommer là-bas, c'est Dewi
Dewi, donc, c'est un démon dragon guerrier de haut rang qui avait aussi étendu son roi, c'est-à-dire son pouvoir mystique dans la Rome antique. Dans la Rome antique, mais sous un nom et aspect différent. Donc, le pays de Galles, l'emblème qui est là-bas, le démon, le dragon qui est là-bas, qu'on va représenter, c'est un démon dragon guerrier qui avait aussi étendu son empire, son emprise plutôt, sa puissance occulte maléfique dans la Rome antique. Parce que vous voyez, les historiens qui connaissent peut-être l'histoire des civilisations, non pas de l'Afrique, parce que pour l'Afrique, c'est un peu compliqué pour eux. Ils vont venir patauger dans la boue pour essayer de raconter des hérésies. Vous allez voir que dans la Rome antique, on représentait d'autres dragons, mais sous différents aspects et couleurs. Et c'est le même dragon qu'on représente au pays de Galles. Et quand on va dans l'hindouisme, parce que beaucoup ne savent pas, pensent que dans l'hindouisme, il y a seulement, on va parler uniquement on va dire des dieux hindous, donc Kali, Brahma, Vishnu, Shiva, ainsi de suite, Ganesh. Il n'y a pas seulement ces divinités de l'hindouisme. Il y a aussi des démons. En gros, tout simplement, ces divinités sont des démons. Mais il y a d'autres aspects, d'autres démons qu'on va aussi représenter que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, dans l'hindouisme, on vous dit ici, il s'appelle Rahu. Rahu, c'est un puissant démon serpent dragon hybride à plusieurs têtes qui agit également au Tibet. Dans le même démon dragon qui est, dont on va faire allusion en Inde, ce même démon a agi aussi au Tibet. Agit au Tibet. Et quand on va maintenant dans la Chine, Long, vous voyez, Long, c'est le serpent dragon. Vous voyez ce grand serpent dragon qu'on va fêter le Nouvel An chinois, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est aussi un démon. Ce n'est pas un dragon simple qu'on représente. Ou d'autres vont dire non, c'est juste une représentation, c'est un emblème. Non, c'est un véritable démon qui existe. C'est un véritable démon qui existe, mais sauf qu'ils n'ont pas de corps physique. Donc, les Chinois qui vont faire la fête Nouvel An chinois, ils sont en train de célébrer au vu de tout le monde, en plein air. Ils sont en train de faire des incantations d'un démon. Ils sont en train de célébrer un démon. En fait, ce sont des idolâtres. Ils célèbrent un démon puissant et c'est par ce démon-là qu'ils sont en train d'avancer comme ça dans le plan visible, qu'ils avancent, qu'ils prennent le dessus par rapport à plusieurs peuples actuellement. Donc, Long est un puissant et terrifiant démon serpent dragon, guerrier et religieux de haut rang. Et religieux de haut rang. Et il y a aussi maintenant les démons pythons. Parce que, comme je vous ai expliqué, il existe plusieurs espèces, hiérarchies de puissance et d'intellection par rapport aux démons reptiliens. Il y a les démons dragons à part, il y a les dragons célestes, il y a les dragons terrestres, il y a les serpents dragons marins, il y a aussi les serpents dragons terrestres. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle la diversité. Et parmi ces pluralités de diversité, on va retrouver le démon Python. Et le démon Python aussi agit actuellement très puissamment dans beaucoup de civilisations et religions. Dans le verset 85, il est dit ici, toujours la démonologie, chapitre 1, verset 85, il est dit, les démons pythons sont des démons reptiliens, extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils font souvent l'intermédiaire entre les démons familiers et les médiums, dont nécromancienne. Une nécromancienne, c'est dans la langue originelle qui est le doigt l'ancien, on dit Mouta Moupepe Bidinger.
Muta Mupepe Bedinge. C'est ce qu'on appelle la nécromancie, le médiumnisme. Ceux qui vont lire dans, on va dire comme ça, les cartes, les tarots plutôt, parce que vous voyez, les démons même veulent pas que je parle, mais c'est pas grave, rien ne pourra arrêter cette marche-là. Donc, dans le monde des démons, il faut comprendre quelles sont les espèces de démons qui agissent actuellement, quoique différentes espèces de démons vont agir. Mais en fonction des pays, il y a des espèces de démons qui vont plus agir dans certains pays que dans d'autres pays. Quand on parle des pays où il y a plus de corruption, là, c'est les démons de la richesse visible. Ce sont les démons religieux, mais de l'espèce de la richesse visible. Quand il y a trop de le pays où il y a trop de meurtres, la barbarie, la sauvagerie, où on massacre des gens, où on va enlever la liberté d'expression, on va dire, aux femmes, on ne veut même pas que la femme puisse s'habiller correctement, ainsi de suite. Là-bas, ce sont les démons religieux et les démons guerriers. C'est ce qu'on appelle la barbarie. Ici, on ne va pas citer tous les pays pour voir comment différents pays, dans quel pays, quels sont les démons qui agissent, qui dominent plus là-bas. Parce qu'il existe beaucoup de pays, et comme je l'ai dit, dans chaque pays, il y a plusieurs démons qui agissent ici. Mais néanmoins, les démons Python sont des démons reptiliens, extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils font souvent l'intermédiaire. Donc, les démons reptiliens, c'est-à-dire de l'espèce de démons Python, c'est ceux-là qui font l'intermédiaire avec, on va dire, avec les démons familiers. On va d'abord s'arrêter là et on va entrer plus en profondeur. C'est quoi un démon Python et c'est quoi un démon familier? Comment cette espèce-là vont faire une sorte de coalition pour agir et tromper l'humanité? Parce que beaucoup sont trompés. On va commencer par l'Inde. L'Inde. Donc, quand on dit l'Inde, on va parler de l'hindouisme. Pas seulement dans l'hindouisme, mais on va commencer par l'hindouisme. Dans l'hindouisme, la croyance dans l'hindouisme, eux, ils croient dur comme fer à la théorie de la réincarnation. J'ai déjà parlé, c'était quoi la réincarnation, et on sait que c'était le démon de la couronne qui est derrière aussi. Mais vous devez comprendre que derrière la doctrine de la réincarnation se cache, se dissimule les démons Python et les démons familiers. C'est quoi un démon familier? C'est quoi un démon Python? Un démon Python, quand il te possède, quand il possède quelqu'un, la personne devient ce qu'on appelle un nécromancien ou une nécromancienne ou une diseuse de bonne aventure ou une médium. C'est ce quand, parce que pour être un sorcier, et il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises faire des témoignages en disant avant ils étaient des sorciers, avant ils ont travaillé pour Satan, Jésus les a libérés, maintenant ils viennent faire le témoignage, ils viennent raconter des hérésies, des choses qui n'ont pas de sens. Ils ne savent même pas c'est quoi un véritable sorcier. Vous allez voir, il y a des gens qui disent qu'ils sont des sorciers, ils ont des pouvoirs mystiques, ils vont guérir les gens, ils vont manger les gens mystiquement, ils enferment l'esprit des gens dans une bouteille, ainsi de suite. Tout ça, c'est du mensonge. Un véritable sorcier, c'est quoi? Vous devez d'abord savoir que dans la sorcellerie, toujours, la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie d'abord? La sorcellerie, ce sont les œuvres des Bamololoma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus. Ce sont les œuvres. Et les œuvres des anges déchus, premièrement, on sait qu'il y a la rébellion, la chute, ainsi de suite, mais les œuvres manifestées qu'on peut jusqu'à présent, qu'on va voir, mais maintenant dans le sens spirituel, ce sont les démons. C'est les démons. Les démons même, c'est de la sorcellerie. Mais quand on apprend que d'autres vont dire, oui, il y a des sorciers qui peuvent contrôler les démons, mais ça n'existe pas. Parce qu'ils font la magie, le démon, c'est la magie. Le démon, c'est la sorcellerie. Le démon, c'est l'œuvre de l'ange déchu, des anges déchus. Donc, premièrement, pour ne pas s'éparpiller, on va aller par ordre chronologique. Dans l'hindouisme, ils vont croire à ce qu'on appelle à la réincarnation.
Donc, quelqu'un qui va mourir physiquement, et son âme, et d'autres diront aussi son esprit, va aller, c'est-à-dire renaître dans un autre corps, peut-être même sous différentes formes, aspects. Ça peut être dans une souris, dans un poulet, ça peut être dans un insecte, ça peut être dans un homme, dans un poisson, en fonction. C'est pour ça que quand vous voyez dans le symbole, mais aussi de l'hindouisme, c'était la croix. Il y avait une sorte de croix qu'on va appeler maintenant, d'autres vont appeler la croix gammée. C'était une croix à quatre branches, c'est-à-dire qui tournait. C'était la roue du destin, en gros, la roue de la réincarnation, la croix gammée, qu'on va maintenant on va nommer gammée. C'est dans le symbole de l'hindouisme, on retrouve aussi cette croix-là, pas seulement dans l'hindouisme, on peut retrouver cela en Chine, dans plusieurs de ce genre de pays. Donc, il y avait quatre roues. La roue tournait, il y avait les humains. Il y a des animaux, il y a les poissons et ainsi de suite dans l'océan. Ensuite, il y a les insectes. Et c'est une roue qui tourne. Ils appellent ça la roue de la réincarnation. Donc, quand les nazis ont vu ce symbole, ils ont compris l'importance de ce symbole. Selon eux, c'était une puissance parce que les Allemands, à l'époque, étaient à la recherche d'un pouvoir divin, d'un pouvoir spirituel, pour enfin de contrôler l'humanité entière. Ça, on ne devait pas l'ignorer. C'est pour ça que les Allemands, aussi, à un moment donné, ils étaient au Cameroun et dans certains pays en Afrique. Donc, en Inde, ils ont pris le symbole de la croix, ils ont un peu incliné, c'est ce qu'on appelle maintenant la croix gammée, la croix nazie. La croix nazie, ça, c'est le symbole de la réincarnation. Et les esprits qui sont derrière, il y a le démon Python. Et le démon familier. Le rôle du démon familier, c'est quoi? C'est que quand il va posséder quelqu'un, que ce soit mentalement, intellectuellement, moralement ou sentimentalement et aussi spirituellement, le démon familier, il va vous faire croire que telle personne est morte dans une époque, dans tel pays, s'est réincarnée dans un autre pays. Et va avoir le même comportement que la personne qui, selon les théories, a subi la réincarnation. Va avoir à peu près le même discours, la même démarche, la même façon de faire. Et pourtant, ils sont dans des pays, c'est des tribus différentes, c'est des gens qui ne sont même pas du même peuple. Les gens vont se dire, mais forcément, c'est la réincarnation. On va aussi prendre l'exemple pour ceux qui ne comprennent pas peut-être l'exemple que je suis en train de prendre aussi. On va aller au Tibet, parce que même le Tibet, c'est la même chose. On va au Tibet. Au Tibet, il y a peut-être, on va dire, les moines, ainsi de suite, ou les chefs religieux. Il y a un qui meurt. 50 ans après, il y a un jeune enfant qu'on va initier ou bien introniser pour être le grand chef spirituel au Tibet. Mais sauf que ce petit enfant n'a pas connu celui qui a vécu il y a 50 ans en arrière. Il n'a pas connu cette personne-là. Mais va avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements, la même manière de faire et même de s'exprimer de cette personne qui a disparu il y a déjà 50 ans. Parce que l'histoire de cette personne reste dans les manuscrits, reste dans on va dire dans les livres, ainsi de suite. Que d'autres, on va dire, moines ou bien religieux savent. Et quand ils vont voir le comportement de ce petit enfant qu'on a intronisé, ils vont se remémorer par rapport aux écrits de ce vieux qui est mort il y a 50 ans. Ils vont se dire, c'est sa réincarnation. Vous voyez? C'est le démon familier qui avait possédé ce chef religieux quand il vivait à son époque, et quand il meurt, le même démon familier, il va quitter cette enveloppe, puisque le démon ne vit pas dans un corps qui est mort. Si on vient vous dire le contraire, c'est que ce soit le mensonge. Donc le démon familier va quitter, va venir posséder maintenant ce jeune enfant, 50 ans plus tard. «
50 ans plus tard, va posséder ce jeune enfant 50 ans plus tard, afin de faire croire à la notion, à la théorie de la réincarnation. C'est le démon familier. Il recopie uniquement le comportement de celui qui l'avait possédé dans les temps d'autrefois. Vu que c'est ce démon qui l'inspirait, va venir inspirer ce jeune garçon. Et ceux qui sont possédés par les démons reptiliens, en gros, les démons reptiliens de la race de l'espèce de démon python, ceux-là, ils vont attester de la véracité de la réincarnation ou bien de la réincarnation de ce vieux qui est mort il y a 50 ans en tant que ce jeune enfant. Et cela, maintenant, des gens vont se dire, mais d'autres vont venir, vont dire, je me rappelle que j'ai vécu dans ce pays, c'était comme ça, comme ça, comme ça. On va dire, mais comment est-ce possible? Il va te dire, il a vécu dans un autre pays avant, il avait tel parent, il est mort, maintenant il revient naître ici. Et les gens vont essayer de faire des recherches, ils vont voir que, hé, ce qu'il a dit, le gamin là, c'est quand même vrai. Comment est-ce possible? Et les scientifiques vont dire, non, c'est peut-être dans son cerveau l'imagination. C'est pas que deux fois que c'est l'imagination, c'est le démon familier qui possède. Et le démon familier, ils ont essayé de l'introduire dans la Bible actuelle classique. Dans les Bibles actuelles classiques, à un moment donné, ce qu'on va appeler Pierre, Kepha, Petro, dans les Bibles, Pierre, à un moment, on l'a arrêté parce qu'on avait tué Jack. On avait tué Jack dans les Bibles actuelles classiques. Et Pierre, on l'avait mis en prison. Et donc, du coup, les croyants qui connaissaient Pierre, vu qu'ils ont su qu'ils avaient déjà tué Jack, et pour eux, dans leur tête à eux, ils étaient persuadés qu'on avait tué Pierre, qu'on avait tué l'apôtre Pierre, selon les Bibles classiques. Donc, Pierre avait été mis en prison. Et on vous apprend qu'il y a un ange de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, est venu délivrer Pierre de la prison. Et Pierre, en ce moment, ne savait pas, pour lui, soit c'était une vision, soit c'était réel, soit c'était pas réel, mais il était dans un état second. Et donc, du coup, cet ange va le faire sortir de la prison. Et Pierre, il est là, il ne sait pas où aller. Et donc, du coup, il va où les autres croyants étaient rassemblés. Il va cogner à la porte. Il y a une femme, dans d'autres versions, c'est une serveuse, une servante, ainsi de suite. Une femme qui était avec les autres croyants dans la pièce. La femme va sortir, elle va ouvrir, elle va voir Pierre. Elle va refermer la porte, que de laisser entrer. Elle referme d'abord la porte, elle va dire aux autres, c'est Pierre. Que c'est Pierre, que c'est l'apôtre Pierre. Et les gens vont dire, mais en gros, c'est n'importe quoi, ce que tu es en train de dire. Ils vont dire, c'est son ange. Ils vont dire, c'est son ange. Vous voyez? Le fait de dire, c'est son ange, ça veut dire, c'est son esprit familier. Ils vont dire, c'est son esprit familier. Dans leur croyance des Bibles classiques à cette époque, ils vont se dire que Pierre était mort. Donc, il y a un ange qui ressemblait à Pierre, qui est son esprit familier. Ils vont dire que c'est son ange familier. Dans d'autres versions, c'est son ange familier qui a l'apparence de Pierre, donc qui va venir toquer à la porte. Et après, Pierre encore toqué, ils ont ouvert, ils ont vu que c'était Pierre, ce n'était pas un ange. Ceci pour vous montrer que la notion de démons familiers existe réellement. Ça séduit beaucoup de gens. Ça possède beaucoup de personnes et les gens maintenant vont essayer de mentir ainsi de suite. C'est comme Jésus, ce qu'on appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth ou Yehoshua Amashia. Derrière l'image de ce Jésus, ce personnage de Jésus qu'ils ont inventé au Moyen Âge, de dire le personnage de Jésus, on sait que l'image de ce Jésus vient de Césarée de Borgia. C'est l'image de Césarée de Borgia, le fils d'un pape qui
est accoutumé à aller avec des hommes. Donc, ils ont fait le portrait de Césarée de Borgia pour représenter Jésus. Et c'est cette image que le catholicisme romain a ramenée au monde. Et les gens, maintenant, téléchargent ces photos, ils vont redessiner, essayer de changer un peu au fur et à mesure. Et voilà ce que les gens vont croire. Dans la prière de beaucoup de personnes, ils ont l'image de ce Jésus-là qu'ils ont vu à la télé, du portrait que le catholicisme romain a ramené. Et derrière cette image, derrière même Césarée de Borgia, derrière le personnage de Jésus, on sait que c'est un puissant démon religieux de haut rang qui est tapis derrière, connu sous son vrai nom dans la langue originelle, le nom de Mytilène. Et c'est le même démon qui a exercé dans l'Égypte antique sous une autre identité, l'identité de celui qu'on va appeler dans l'Égypte antique, on va dire Osiris, que d'autres vont maintenant, les Kémites vont dire Osiris. C'est pas seulement, il y a aussi ce même démon a œuvré dans différents plans, il continue jusqu'à présent. Et c'est un démon religieux de haut rang, hybride. C'est un démon religieux de haut rang, hybride. C'est pour vous dire que tous ces démons travaillent ensemble. Donc maintenant, le démon religieux de l'espèce de démon familier va posséder les gens, va envoyer une sorte d'une fausse vision collective, une sorte de conscience collective plongée dans un mensonge collectif. C'est-à-dire, quelqu'un va être ici, un enfant va être peut-être au Brésil, va dire qu'il a vu Jésus, Jésus l'a ramené au paradis, il a vu le paradis selon lui dans la description du paradis. L'autre qui est aux États-Unis d'Amérique va dire qu'il a fait l'accident, on a vu comment la personne a bien fait l'accident, la personne a été brûlée par le feu, la personne est défigurée, la personne vient témoigner maintenant que Jésus est venu le prendre en disant que ce n'était pas ton œil, il faut que tu rentres me témoigner, ainsi de suite. Et d'autres qui vont regarder ça, les pauvres arrivistes vont se dire, mais cet homme, son intérêt de mentir, c'est quoi? Vu que le gars, son visage est défiguré, son visage est brûlé, c'est quoi son intérêt de mentir? Vous ne connaissez pas les démons. C'est maintenant, l'autre qui va être en Afrique va aussi dire que le même Jésus, la même description est venue. Au fur et à mesure, là, c'est pour vous montrer que les démons familiers, maintenant, ils se mettent à l'œuvre. Ils sont plusieurs. Ils vont apparaître mystiquement dans une vision mensongère de celui qui est en Inde, de celui qui est au Brésil, de celui qui est aux États-Unis, de celui qui est en Afrique, de celui qui est en Allemagne, de celui qui est en France. Une sorte de vision collective. Et c'est là où ils vont plus tromper des gens. Et posséder maintenant des gens, les démons pitons maintenant vont posséder d'autres personnes qui ne sont même pas forcément, on va dire, des nécromanciens, parce que pour être nécromancien, c'est ce que je voulais dire tantôt au départ, pour être nécromancien, il faut être initié et être intronisé. Ce qu'on appelle les nécromanciens, les sorciers, les mages, les enchanteurs, les magiciens, il y a plusieurs branches dans le monde occulte des pratiquants des sens occultes. En gros, ce sont des titres. Maintenant, chaque titre est lié à un démon spécial. Mais à la base, c'est tous des sorciers. À la base, ce sont des sorciers qui vont porter des titres en fonction du démon et de la branche que ces personnes vont être initiées et intronisées. Le sorcier ou la sorcière qui va être intronisé dans la branche de communiquer avec, on va dire, les morts, en pensant communiquer avec les morts, les défunts voient, on va dire, entre guillemets, les ancêtres s'adresser au crâne. On met de l'huile pour pouvoir parler aux ancêtres. Ceux-là, dans leur initiation, ils vont rencontrer, c'est-à-dire ils vont affronter les propres peurs. Il faut qu'ils deviennent les peurs. On va les faire rencontrer les propres démons, dont, on va dire, les génies qui vont les guider durant leur initiation.
Et c'est un démon Python. Et tu dois ressentir la peur et être cette peur-là. Accepter cette peur en t'initie d'abord pour aller à la rencontre de ce démon. Mais si tu faillis, tu deviens, soit tu deviens fou, soit tu meurs. C'est ça que la folie prend des gens. Des fois, quand ils vont être initiés, et la vue du démon, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, du coup, ça les cause des choses dont on ne va pas trop entrer ici en profondeur. Et cela, maintenant, ils vont devenir fous parce que le démon va les frapper. Il faut que tu acceptes volontairement la cohabitation occulte avec celui qui est censé te guider. Dans ce qu'on appelle, c'est la cohabitation occulte. Et quand ce sorcier va, dans son initiation, va réussir jusqu'à être habité par ce démon, là, ce n'est plus une possession réelle. C'est une cohabitation occulte. La possession démoniaque, c'est quand tu ne veux pas, et le démon, il force, il entre. Ça, c'est une possession. Maintenant, la cohabitation occulte, un sorcier qui a un démon en lui, ce n'est pas la possession, c'est néanmoins la cohabitation. Mais dans cette cohabitation, le démon, il est tellement vicieux, malin, que tu penses qu'il te laisse le libre arbitre, mais il va te cacher des choses pour posséder d'autres de tes sens. Mais dans un plan, c'est une sorte de cohabitation occulte. Et quand tu acceptes cette cohabitation, tu deviens un nécromancien. Un nécroman, une nécromancienne, Muta Mupepe Bedingue. Muta Mupepe Bedingue, tu deviens, d'autres vont dire un devin, d'autres vont dire, comment ils appellent ça? Un nécromancien, d'autres vont dire un médium, voilà, d'autres vont dire un médium, ainsi de suite. Maintenant, l'autre sorcier maintenant qui va être initié et intronisé dans la sorcellerie, on va dire dans la magie, ce qu'eux vont appeler la magie, d'autres vont dire la magie noire, la magie blanche, la magie jaune, ainsi de suite. Ce sont l'étape de différentes branches et différents démons. Celui qui va être exercé dans ce qu'on va appeler la magie, parce que dans la magie, il y a plusieurs formes de magie. Dans la magie, c'est tout la sorcellerie, hein, mais c'est différentes branches. Le sorcier qui va être initié dans le domaine de la magie, cette magie qui sera orientée aussi à invoquer les morts, on va dire comme ça, penser à invoquer les morts, et pourtant, c'est fait des incantations, en fait, les démons familier puisse apparaître mystiquement dans une vision et faire croire que le défunt est revenu. Ce genre de sorcier qui arrive va accepter la cohabitation avec son guide, donc son démon. Et ce démon-là, c'est ce qu'on appelle un djinn. Le démon-là, c'est un djinn. Le nom du djinn dans la langue originelle, c'est Dimouti. Donc, ce sont les légions. Ce qu'on appelle dans les bibliothèques classiques les légions. C'est un djinn. Donc, en fonction de l'orientation du sorcier, il y aura un démon particulier. En fonction même de la capacité du sorcier, en fonction de son état de conscience, en fonction de son évolution mystique, il peut avoir une simple cohabitation avec un démon, tandis que d'autres, c'est deux démons, d'autres trois démons, d'autres une multitude de démons. C'est comme ça, en fonction. C'est pour vous dire que tous ces démons existent réellement. Ils sont là, dans le monde, dans l'invisible du visible, l'invisible du visible, et possèdent beaucoup de gens. D'autres démons vont posséder mentalement, d'autres intellectuellement, moralement, physiquement, sentimentalement, émotionnellement des personnes. Vous allez entendre qu'il y a des personnes, elles sont là, elles ont une mauvaise pensée, elles regardent quelqu'un, tu as une mauvaise pensée, il y a le couteau, tu entends une voix, une émotion, un désir qui te saisit, qui dit prends le couteau, pique la personne, poignarde cette personne. Tu vois, c'est comme s'il y a une force qui t'envahit,
Ça, c'est notre possession. C'est une possession mentale, une possession émotionnelle. Ça t'envahit. Ça, c'est d'autres espèces de démons. Donc, il y a différentes espèces de démons, mais on va se centrer plus ici, premièrement, d'abord, sur le démon Python. Les démons Python sont des démons reptiliens extrêmement maléfiques à de la race des démons religieux. Ils font souvent l'intermédiaire entre les démons familiers et les médiums, donc nécromanciennes. Quand ils possèdent une personne, celle-ci finit par porter le nom de nécromancien. Nécromancienne, médium, pythonis, pythie, divineresse, devin, voyant, divinateur et bien d'autres. Les démons Python font croire aux hommes que les morts non connus ne sont pas morts, que les défunts peuvent s'adresser aux vivants. Ils sont en connivence avec les démons familiers pour mieux égarer les hommes. Et on voit cela dans Dina et War, c'est-à-dire 1 Samuel, chapitre 29, au verset 1. Les auteurs des Bibles actuelles classiques ont pris 1 Samuel 29, ils sont allés écrire des torchons dans les Bibles actuelles avec, classiques. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, oh, le roi Saül, à un moment donné, on dit l'Éternel, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, le faux Dieu d'Israël, avait abandonné, y compris Samuel. Samuel n'était plus là, il était déjà mort. Donc, Dieu ne lui parlait plus, ni par les visions, ni par les prophètes, ainsi de suite. Donc, le roi Samuel, pas le roi Samuel, le roi Saül plutôt, ne savait plus comment faire, quoi faire. Il va appeler ses hommes de main. Il va dire, cherchez-moi une femme qui a en elle le pouvoir. Donc, il invoque une femme qui a le pouvoir médiumnique. Une femme qui invoque les morts. Parce qu'elle veut consulter Samuel. Elle veut consulter le prophète Samuel. Mais la vraie version ici, c'est dans Bible. Il a dit dans 1 Samuel chapitre 29, au verset 1. Alors, Nyongi, parce que son vrai nom, c'était Nyongi, dit à ses hommes de main, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, maîtresse du pouvoir médionique qui a un esprit de démon Python en elle. J'irai chez elle pour la consulter. Ses hommes de main dirent, il y a une Moutamou Pépé Bédingue, nécromancienne à Mouketi. Mouketi. Donc, eux, ils vont traduire, ils vont prendre Mouketi, ils vont changer l'emplacement, l'endroit où c'était, ils vont mettre ça dans d'autres. Dans d'autres territoires, ils vont l'appeler Andorre. Mais c'est Mouquette. Le roi Saül, dans Nyongi, il connaissait plutôt l'existence des démons Python. Parce que lui-même, en tant que roi, on l'avait initié, intronisé. Parce qu'un roi dans l'Afrique ancestrale, quand tu inities, on t'intronise, on doit te donner certaines connaissances, même comment les démons vont agir. Parce qu'en tant que roi, tu dois avoir une certaine puissance pour pouvoir pallier contre les attaques occultes. Et c'est là où, dans 1 Samuel 29, au verset 7, la femme nécromancienne invoqua un démon familier. Dans les versions classiques Bible actuelle, on vous dit que la femme a invoqué Samuel. Et Samuel est sorti. Elle a invoqué Samuel, Samuel est sorti. Et les témoins de Jéhovah, et les témoins de Jéhovah, ils disent que non, ce n'est pas Samuel qui est sorti parce que Jéhovah ne peut pas permettre que le démon puisse invoquer Samuel et que Samuel vienne. Je vous rappelle que c'était le véritable Samuel qui est sorti. Bon, son vrai nom, c'est Dina. C'est le véritable Dina. Donc, vous vous appelez Samuel. Non seulement il était noir, parce que la spiritualité est une question de race. C'était lui qui était sorti. Quand il est sorti, ça ne veut pas dire que, parce que la femme là, la sorcière, bon, la sorcière dans la branche de la nécromancie, nécromancien l'a invoqué, a réussi à capter la fréquence du prophète dans l'autre monde et il est venu. Non.
Parce que vous-même, vous êtes gouré. La vraie histoire, c'est quoi? C'est que cette femme nécromancienne savait en elle-même, parce que même dans le livre mystérieux, c'est-à-dire la face cachée de Bibel, cette femme raconte son histoire, on donne le nom de cette femme-là. Parce que dans les Bibles classiques, pourquoi ils ne donnent pas le nom de cette femme-là? Ils vont juste dire une nécromancienne. Non, cette femme est connue, elle avait un nom. Cette femme, elle savait ce qu'elle faisait. Donc ici, cette femme, vous comprenez que cette femme savait qu'en tant que sorcière nécromancienne de la branche de nécromancie, elle ne pouvait à aucun moment faire appel au prophète Dina, c'est-à-dire au Mutopeda Moudi, à Samuel. Parce qu'elle ne peut pas capter cette fréquence. Elle ne peut pas capter la fréquence du grand ordre des choses. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? La femme nécromancienne invoqua un démon familier. Donc, le démon familier doit venir sous l'apparence mystique, sous une apparence de Samuel. Et fait croire en Yongi que c'est Samuel qui arrive. La femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Yongi qu'elle invoquait Dina, mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Yongi à cause de son désespoir. Donc cette femme a ressenti la compassion pour le roi, la pitié, il y a eu un sentiment qui s'est élevé en elle. Et Mutat et Dila fait grâce à cette femme-là, à cette nécromancienne. Et le démon Python qui était en elle, boah, a pris la fuite. Cette histoire est racontée dans Bibel, aussi dans le livre mystérieux, parce que dans la face cachée de Bibel, cette femme est décrit cette scène-là. Elle raconte le soir où Nyong est venu la rendre visite, ce qui s'est passé dans la pièce, avec une telle précision. 1 Samuel 29, au verset 9, il est dit ici, aussitôt le démon Python quitta la femme. Au lieu du démon familier, virgule, la femme vit Dina. Et elle poussa un grand cri. Parce que quand le démon familier, donc quand le démon Python est sorti d'elle, parce que le démon Python, lui, il appelle le démon familier et le démon familier prend l'apparence d'un défunt. Et le démon Python maintenant, il commence à dire, oui, je vois. Il s'adresse, c'est l'intermédiaire. Les nécromanciens sont les intermédiaires entre, on va dire, les défunts et les gens qui sont vivants. Il va dire, oui, tu vois ton grand-père, il était comme ça, il faisait ça. Oui, mais comment tu sais ça? Oui, il était comme ça, il aimait manger la cola, il aimait porter les sandales peut-être rouges de telle façon. Tu vas dire, oui, mais comment tu sais ça? C'est parce que ton grand-père lui-même, il était dans le faux. Il avait un démon familier qui l'assistait. Et c'est ce démon familier qui est invoqué par le démon, par cette femme, la nécromancienne, sous la complicité du démon Python. Et c'est le démon familier qui possède, qui marchait avec ton grand-père, qui va venir, qui va juste dire, révéler à cette femme que voici, il était comme ça, comme ça, comme ça. Après, on va dire, waouh, cette femme, elle a trop de pouvoir, elle est trop forte. Il faut savoir comment ça se passe, le monde de l'obscurité. Il faut savoir. Donc, quand le démon Python a quitté la femme, le démon familier ne pouvait plus venir parce qu'il n'y avait plus de contact. Il ne pouvait plus avoir de contact dans la fréquence entre cette femme et le démon familier parce que le démon Python était déjà parti. Et c'est là où Mutat a permis que Dina puisse se manifester. Donc, pas physiquement. Et quand elle voit Dina, parce qu'avant, elle s'attendait à voir un démon familier, parce qu'elle connaissait le démon familier. Elle était intronisée, initiée. Et elle a vu Dina. Elle a lancé un grand cri. Pourquoi elle va lancer un grand cri? Ouais, les témoins de Jéhovah ne comprennent rien du tout. Les témoins de Jéhovah, ce sont des attardés mentaux. Ils vont vous dire que la femme de Angdor, la nécromancienne, a invoqué Samuel et que c'est un démon qui est apparu. Mais si le démon apparaît, pourquoi la femme va encore crier? Vu que
elle travaille déjà avec les démons. Donc, elle était déjà accoutumée à le faire. Elle le faisait déjà dans son quotidien. Pourquoi elle va encore crier si elle voit un démon? Vous voyez que même vous ne pouvez pas percer ce mystère. Elle a crié parce qu'elle a vu Samuel. Elle a vu Dina. Mais sauf que, elle n'a pas vu Dina que les gens ont connue. Elle a vu un être supérieur qui dégageait une puissance qui faisait pallier l'énergie de tous les démons qu'elle a pu rencontrer. Y compris des démons qu'elle n'a même pas pu rencontrer. C'est pour ça qu'elle a lancé un grand cri. C'est comme si elle voyait une entité en face. Il faut comprendre ces choses-là. On est dans la spiritualité, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans les à peu près que Dieu m'a dit. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 87, c'est pour cette raison que le peuple fut averti plusieurs fois à différentes époques, à savoir, virgule, de ne point être en contact avec les démons Python par l'intermédiaire des nécromanciens et autres. Et autres. C'est pour ça qu'on va aller dans Lévitique. Eux, ils vont appeler Lévitique. Chapitre 13, verset 14, toujours dans la Bible, il est dit ici, ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, entre parenthèses, démons familiers. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit, il s'arrête tout simplement les esprits des morts pour faire croire que les gens peuvent entrer en contact avec les défunts, les esprits des morts, que c'est encore sur la terre, c'est quelque part dans l'invisible du visible, et qu'eux, il faut les invoquer, mais sauf que le fait de les invoquer, ça va vous souiller. Ils n'ont pas pu pénétrer ce mystère-là. C'est pour ça qu'ils vont juste s'arrêter aux esprits des morts. Mais on vous apprend, c'est quoi les esprits des morts? Ce sont les démons familiers qui vont prendre l'apparence du défunt que vous avez connu. Car cela vous rendrait plutôt spirituellement contaminé et impur. Parce que quand tu invoques le démon, quand tu as affaire à un démon, par son aura, par son toucher occulte, il va te souiller mystiquement, il va te contaminer. Et là, tu deviens impur, parce que lui-même, le démon, est impur. C'est pour ça que dans la loi lévitique, il est dit que même quand une femme avait ses périodes, elle était déjà contaminée, le lit qu'elle se couchait devenait contaminé. Si toi, tu viens, tu touches le lit, tu es aussi contaminé jusqu'au soir. Combien de plus le démon? Nende Moutat est dit, je suis l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Wonja, chapitre 8 au verset 19, où on dit, c'est ce qu'on va appeler Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques, mais c'était aussi un puissant prophète noir. Où on dit, chapitre 8 au verset 19, si l'on vous dit consulter les nécromanciens experts en pouvoir médionique, qui ont en eux un esprit de Python, afin d'invoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, le peuple initié ne consultera-t-il pas le verbe de l'Oba, point d'interrogation, s'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants, point d'interrogation. Démonologie, chapitre 1, verset 88, il est dit ici, désobéir à la loi du verbe de l'Oba ouvre aussi spirituellement la porte aux démons pitons. Oui, parce que quand il désobéit au verbe de l'Oba, ça ouvre spirituellement aussi mystiquement la porte aux démons pitons. C'est pour ça que tous ceux qui n'acceptent pas le message que j'apporte, sont sous l'influence des démons pitons, sont sous l'influence des démons religieux de différentes espèces. Et la conséquence de cette désobéissance produit la pression, la possession plutôt occulte, donc démoniaque. Dans Deux Rois, King Ebeba, donc Deux Rois, chapitre 14, au verset 1, il est dit ici, Nyengen, donc ce qu'on va appeler Naman dans les Bibles actuelles classiques, n'était pas encore bien loin lorsque Uma Jene, c'était le disciple qui avait reçu la lèpre de Naman, donc c'était le disciple de Sunga qu'eux vont appeler Élisée. Uma Jene, le disciple de Sunga, possédait
possédé par un démon en forme de python, à cause de sa porte d'entrée, virgule, il se dit, deux points, mon mouledi n'a rien voulu accepter de ce que Yenge, le Batoba Mogne, lui offrait. Eh bien, moi aussi, virgule, aussi vrai que l'Oba est au-delà du vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Pourquoi le disciple d'Élisée a été possédé, était possédé par un démon python, en forme de python? Pourquoi pas un démon de la richesse invisible? Parce que là, c'était, il partait à la richesse, c'était la richesse qu'il voulait. C'était la richesse, ainsi de suite, s'enrichir. Pourquoi pas un démon, démon de la richesse du visible, pourquoi un démon en forme de python? Parce que son maître, son moulé dit, Sunga, qui est, qu'on va appeler Élisée, a combattu pendant son ministère beaucoup d'espèces de démons, même les démons python. Il les a farouchement combattus. Il a ouvert une porte, une brèche parmi le peuple pour que le peuple sache que l'Oba est unique créateur. Quoique le peuple le savait déjà, mais avec preuve et conviction. Pour que les gens ne puissent plus croire aux mensonges que les revenants vont venir, les défunts vont parler aux ancêtres, ainsi de suite, que les gens vont parler aux ancêtres. C'est pour ça que les démons python les guettaient beaucoup. Ils ont réussi à posséder son disciple parce que lui-même, il avait une porte d'entrée. Le libre arbitre existe. Démonologie, chapitre 1, verset 89, il est dit « Ainsi, celui ou celle qui se laisse posséder par un démon quelconque, cette personne aura, par sa faute, brisé sa protection, c'est-à-dire renverser spirituellement la muraille. » Quand tu te laisses posséder par tes émotions, par tes sentiments, par tes pensées, tes méditations, par ton raisonnement qui n'a pas de sens, tu es possédé. Donc, du coup, tu retires, tu brises ta protection. Ça veut dire que tu as renversé spirituellement la muraille. Et tu t'assujettis à toute forme et sorte de doctrine, de mensonge, de haine, de jalousie, de rancœur, de médisance, de toutes sortes de pensées qui ne sont pas selon la bonne séance, la bienséance. Ecclésiaste, dans Moulang, il dit, Ecclésiaste chapitre 10, au verset 8, il est dit, celui qui creuse spirituellement une fosse, y tombera, et celui qui renverse spirituellement la muraille sera possédé par un démon python. Vous voyez. Démonologie, chapitre 1, verset 90, à l'exception des démons familiers, les démons python interviennent fréquemment aux côtés des Minguma Madiba, donc les sirènes des eaux, et les Dimouti, légions, les djinns. Donc, les démons pitons possèdent beaucoup, vont beaucoup posséder, et vont beaucoup travailler aussi avec, hormis de travailler avec les démons familiers, ils travaillent beaucoup aussi avec les sirènes des eaux de différentes espèces et les Dimouti, les djinns. Sans cela, on vous dit ici dans 1 Roi, chapitre 13, au verset 10, toujours dans Bible, les femmes, entre parenthèses, bon, les femmes, c'est-à-dire les femmes non initiées, blanches et sans mêlée, étaient initiées par les Minguma Madiba. Donc, ces femmes, parce qu'on parlait de ces femmes-là, il y avait des femmes qui sont allées, qu'on a initiées, intronisées, pour pouvoir renverser le puissant roi Monmouth. C'est ce qu'on appelle Suleyman Salomon dans les fausses religions, là, dans les religions dites révélées. Mais son vrai nom, c'est Monmouth, il était noir. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 10, ces femmes étaient initiées par les Minguma Madiba, démons Python et Dimouti, djinn, dans le but de me détruire. Là, c'est Monmon qui explique dans ce que va appeler Suleyman ou Salomon. 1 Roi, chapitre 14, verset 2. L'assemblée nocturne des sorcières nécromanciennes est tenue par les Minguma Madiba, les sirènes des eaux,
démon Python et Dimouti, légion, c'est-à-dire djinn, dans laquelle elles rendent un culte à Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit. Démonologie, chapitre 1, verset 91. À une ancienne époque, il fallait faire de la sorcellerie ancestrale afin d'invoquer certains démons reptiliens. Et dans les Bibles actuelles classiques, ils ont essayé de représenter la scène où on invoque les démons reptiliens. Mais sauf que plusieurs traducteurs sont venus, ils ne savaient pas comment traduire cela. Ils ont dit les magiciens de Pharaon, les magiciens égyptiens ont combattu contre Moïse. C'est ce qu'on appelle Moussa. Mais son vrai nom, c'est Boussi, il était noir. Car tous les prophètes étaient uniquement de race noire. La spiritualité est une question de race. Dans les Bibles actuelles classiques, même dans les films qu'ils avaient montré les 10 commandements, ce faux film-là, on dit comment les magiciens ont... Moïse a jeté le bâton en tête, c'est devenu un serpent. Les magiciens ont fait la même chose, c'est devenu un serpent aussi proprement. Et le serpent de Moïse, dont on va dire le bâton de l'Éternel, a avalé les autres serpents. Il y a une seule version, quelques versions qui ont quand même essayé un tout petit peu d'être fidèles aux copies des copies issues de l'original qui est la Bible, la seule version authentique, où on vous dit que les magiciens à cette époque de Pharaon, bon, quoique cette histoire n'a pas eu lieu, c'est-à-dire l'histoire qui n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. J'ai démontré, cette vidéo existe toujours, l'esclavage des enfants d'Israël, des Hébreux, les Israélites en Égypte n'a pas eu lieu. C'est tout simplement faux. Mais l'histoire où Boussi, le puissant prophète, est venu délivrer le peuple noir, a véritablement existé, mais ce n'était pas en Égypte. C'était sous l'influence occulte d'un puissant démon marin, du tout premier démon. Tout ça, c'est contenu dans la Bible. Et pendant les combats, ces magiciens vont faire des incantations, ils vont invoquer des démons dragons, donc les démons reptiliens de l'espèce des dragons. Et Boussi va lui invoquer un démon, enfin, pas un démon plutôt, c'est les magiciens qui invoquent les démons. Boussi, lui, il va faire appel, non pas à un démon, non pas à un esprit inférieur, mais il va faire appel à une entité, c'est-à-dire à un démon céleste. Même un dragon céleste, pas un démon. Pas un démon plutôt, un dragon céleste, dans une entité en forme de dragon céleste. Deux Rois, chapitre 7, au verset 10. Deux Rois, 7, 10. Plus tard, le roi de Banapa fit de la sorcellerie ancestrale en invoquant les démons reptiliens. Au point où le roi de Tombalébila et ses guerriers éprouvaient une très grande crainte qui renonçaient au combat et retournèrent chez eux. Voilà comment ça se passe, on va dire, les démons, serpents, dragons. Et derrière, on va voir les démons pitons. Pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant, l'Oba s'est encore glorifié.